J'ai dit que la Fédération des sports a interdit le dopage et qu'il n'y a pas eu de dopage généralisé en RDA. C'est bien ce que j'ai dit, je l'assume, et que l'on me prouve le contraire. Bitte Platz einnehmen. Je me suis rendu compte que mon corps était en train de changer radicalement. J'avais l'impression d'enfler, de m'élargir. Ma peau devenait trop tendue. Je m'empâtais, je me durcissais de l'intérieur. Je perdais de plus en plus la sensation de mon corps. J'avais l'impression d'être difforme, carré. J'ai fini par me sentir toute raide. J'en ai déduit que je mangeais trop. Jamais je n'ai pensé que ça pouvait être autre chose que la nourriture qui me faisait grossir. Puis j'ai rencontré une autre athlète qui m'a dit « Écoute, c'est simple. Mets-toi les doigts dans la gorge et tu pourras manger autant que tu veux. » Et très vite, les crises de gloutonnerie et les vomissements sont devenus incontrôlables et ont généré une vraie boulimie. Je suis venue au sport comme la Vierge à l'enfant. Un jour, en cours d'éducation physique, mon professeur m'a passé un truc rond en métal. J'ai compris plus tard que c'était un poids. Il m'a dit « Voyons un peu à quelle distance tu peux lancer ça ». Tout de suite après, il m'a forcé à m'entraîner au lancer de poids pour les compétitions scolaires d'été. Pendant ces épreuves, mon futur entraîneur, Madame Borner, observait discrètement comme beaucoup d'autres. Dans ce système, il était courant de voir les entraîneurs rôder dans les compétitions scolaires pour repérer ceux qui leur semblaient doués dans leur discipline. Toutes les deux ou trois nuits, je rêve de patinage artistique. Encore et encore. Je n'y peux rien, ça revient toujours. Ça fait partie de mon inconscient parce que c'était toute mon enfance et toute ma jeunesse. Pour moi, c'est une époque noire. Il n'y avait pas de liberté, c'était une dictature. Ce n'était pas seulement du sport de haut niveau, ça se passait en plus en Allemagne de l'Est. Les gens ne peuvent pas s'imaginer ce que ça impliquait de faire du sport de haut niveau en RDA. C'était un travail de forçat. Il y a peut-être des athlètes qui aiment ça, mais j'en doute. Quand on commence à 4 ans et qu'on est sur la glace 8 heures par jour pendant 14 ans, qu'on se fait engueuler par ses entraîneurs, qu'on est pesé tous les jours comme un cochon d'élevage, je ne sais pas si on peut encore parler de plaisir. J'avais 16 ans quand on m'a fait prendre des pilules pour la première fois. À 16-17 ans, j'ai subitement remporté les championnats d'Europe junior. Pour moi, c'était l'aboutissement d'un entraînement difficile. Je croyais que c'était seulement grâce à l'entraînement que j'avais réussi à être au sommet, au niveau européen, chez les juniors. Un jour, pour m'amuser, j'ai calculé combien de tonnes j'avais soulevé durant 2-3 semaines. Je suis rapidement arrivé à plus de 100 tonnes. Tout ça multiplié par 12 années. C'est vraiment de la folie de voir comment on s'est entraîné. C'est complètement fou.
On commençait à s'échauffer ici, mon partenaire et moi. Ensuite, notre entraîneur venait nous voir. Elle nous apportait toujours des petites boîtes de pilules que nous devions prendre. C'était des vitamines de toutes sortes, des produits qu'on trouve encore aujourd'hui. Mais je me souviens qu'un jour, je lui ai demandé si je pouvais les prendre au vestiaire parce que je n'arrivais pas à les avaler sans eau. Elle a refusé, elle voulait être là pour contrôler qu'on prenait bien ses pilules, Tobias et moi. Tous les matins, ma mère me mettait ces trucs dans mon assiette en me disant « Bon, aujourd'hui, tu dois en prendre deux ». Elle ne savait pas non plus ce que c'était. Elle ne pouvait pas imaginer que ces pilules que j'ingurgitais régulièrement pouvaient être quelque chose de terrible. La confiance allait jusque-là. Ma mère avait autant confiance que moi. Plus ils étaient jeunes, moins ils savaient. Mais même les adultes ignoraient la plupart du temps qu'on leur donnait des produits dopants. Personne n'avait la moindre idée des effets secondaires éventuels. Pourtant, ces effets secondaires avaient été consignés dans la thèse du Dr Riedel sur l'athlétisme. On y trouve un tableau clinique qui est l'un des écrits les plus cyniques que je connaisse dans la littérature médicale. On a fait, sur l'homme, des expériences qu'on n'autoriserait pas sur des cochons d'Inde. Cette étude répertorie, selon les disciplines, le nombre de personnes ayant eu des effets secondaires, tant de maladies du foie, tant de cas d'acné, etc. Nous savons aujourd'hui, et nous pouvons le prouver, parce que cela a été révélé par les coupables eux-mêmes, que les jeunes n'avaient même pas le droit de poser des questions. Notre entraîneur avait une habitude assez désagréable. Quand on posait des questions qu'elle n'appréciait pas ou qu'on protestait à cause du volume d'entraînement, on devait faire 10 tours de piste. Il y avait une piste de 400 mètres près de l'aire de lancer. Et croyez-moi, pour un lanceur, il n'y a rien de pire que courir. Si on aime courir, on fait de la course à pied, pas du lancer de poids. J'ai donc décidé très vite de ne plus poser de questions, de prendre mes pilules et de la fermer. Ça ne me disait rien d'être obligé de courir. Genossenminister, dürfen wir Sie fragen, weshalb Sie dem Kinder- und Jugendsport so eine Bedeutung beimessen? Vor allen Dingen gesunde Menschen, kraftvolle Menschen, bewusste Menschen und eine rechte Breite, damit man recht viel gute Talente suchen und dann entwickeln und fördern kann, dass sie später mal die Medaillenträger für die Republik werden. Ich glaube, darum ist die Sportverein Dynamo darauf aus, recht viele Tausende und Zehntausende von jungen Mädchen und Jugendlichen zu haben, um daraus einen guten Nachwuchs zu haben für unsere zukünftigen Spitzensportler und Leistungssportler unserer Republik. Je fais de l'arythmie et j'ai une insuffisance cardiaque, du diabète, des troubles du métabolisme. Mes reins fonctionnent mal, mon foie est dans un état catastrophique. Mes disques lombaires et mes vertèbres cervicales sont fichus. Selon les radiologues, ma colonne vertébrale a l'air d'avoir 20 ans de plus. Inga Kauter wurde neue Juniorenmeisterin unserer Republik. Dazu herzlichen Glückwunsch an Inga Kauter vom TSC Berlin. Depuis que j'ai entendu parler de l'usage des psychotropes dans les disciplines comme la mienne, le patinage artistique, certaines choses se sont éclaircies. Je faisais des sauts sur la glace avec un grand goût du risque. Il m'arrivait de me retrouver en l'air à l'horizontale. Parfois, je me cognais violemment la tête, je me frottais un peu et je continuais malgré une bosse énorme. Je comprends maintenant pourquoi on ne réagissait pas comme tous les enfants qui tombent et qui se mettent à pleurer. Nous, on se relevait et on continuait de patiner en souriant. Ce n'était pas obligatoirement des anabolisants. Les patineuses ont pris toutes sortes de dopants comme des excitants, des amphétamines, par exemple. Mais pendant les périodes d'entraînement, elles prenaient aussi des stéroïdes androgènes.
L'un de ces produits avait même un nom de code, le STS-646. Il était utilisé dans les disciplines où il ne fallait pas générer trop de muscles, mais plutôt stimuler l'effort à l'entraînement. Il y a 2 ans, je suis tombée très malade, gravement malade. J'ai discuté avec mon médecin et il m'a dit que ça pouvait être lié au dopage. Je ne veux pas parler de cette maladie, mais c'est probable. À ce moment-là, j'étais vraiment entre la vie et la mort. On m'a tout simplement brisé. Je ne suis devenue Marie-Catherine Canitz que vers 25 ans. J'ai changé de prénom. C'était le signe d'une nouvelle vie. J'ai hésité à laisser tomber l'ancien prénom, Catherine, mais je me suis dit qu'il faisait partie de ma vie. On ne se débarrasse pas comme ça de son prénom. Mais aujourd'hui, tout le monde m'appelle Marie. J'ai arrêté le sport à cause d'un accident. Après mon mariage, je voulais avoir un enfant, mais il ne se passait rien. Je n'arrivais pas à tomber enceinte. J'ai donc consulté un gynécologue. Il a diagnostiqué qu'à 24 ans, j'avais les organes génitaux d'une fillette de 11 ans. Il y a des substances qui aident à supporter l'entraînement, des produits de soutien courants et autorisés, et puis il y a le dopage. Il m'a demandé si j'avais pris des produits de soutien pendant ma carrière. Mais moi, je pensais n'avoir pris que des vitamines et des sels minéraux, rien d'autre. Le mot dopage n'était pas utilisé en Allemagne de l'Est. Dans le milieu du sport de haut niveau, on employait délicatement l'expression de produits de soutien pour éviter le vilain mot dopage. Pendant la thérapie hormonale, j'ai pris 30 kilos en 1 an. J'ai développé de graves troubles du métabolisme. Il suffisait que je regarde un croissant pour qu'il se retrouve sur mes fesses. J'ai pris énormément de poids à cette époque. La RDA était un état à l'économie planifiée. Les budgets étaient toujours déterminés de manière centralisée. Ce plan d'État faisait partie du plan d'économie politique concernant les sciences et les techniques. Il s'agissait donc de recherche. 1425 signifiait la recherche de nouveaux produits dopants. Ce plan d'État, 1425, devait déterminer les nouvelles substances dopantes à mettre en circulation, de quelle façon elles devaient être testées, sous quelle forme elles devaient être produites, chewing-gum, comprimés, etc. Presque tous ces produits tombaient sous le coup de la législation antidopage de l'époque. Un jour, après la chute du mur, j'ai reçu une lettre de la police criminelle d'Erfurt. J'ai d'abord cru avoir fait quelque chose de mal. J'ai ouvert la lettre et j'ai lu que mon nom figurait sur une disquette trouvée à Kreischa et qu'il était associé au dopage. J'ai été convoquée par la police. J'avais lu le mot dopage, mais je ne voyais toujours pas bien ce qu'on voulait. Kreischa est un lieu très intéressant. C'était à la fois le laboratoire de contrôle, mais aussi l'Institut du service médical du sport, le ZI. C'était d'une part un centre de rééducation et d'autre part une clinique où l'on soignait les troubles causés par le dopage. On sait aujourd'hui que cela a concerné plusieurs athlètes. Kreischa appartenait donc également à ce domaine secret de la recherche sur le dopage. Je me souviens qu'ils avaient attribué une lettre à chaque pavillon, comme celui-ci, avec un J. Je me rappelle également qu'on nous glissait des instructions sous la porte.
Échantillon d'urine demain à 7 heures. Je me souviens très bien que chaque matin, il y avait un petit bol blanc sur ma table de nuit avec plusieurs comprimés, dont un bleu, avec un petit trait au milieu. C'était de l'oral turinabol. Je ne l'ai appris que plus tard, lorsque la police criminelle a pris ma déposition. Ils m'ont mis ce comprimé sous le nez et m'ont demandé si j'en avais déjà vu. J'ai répondu oui. Ils m'ont dit, c'est de l'oral turinabol. Je ne le savais pas. À l'époque, on me disait que c'était pour soigner ma maladie, que ça accélérerait le processus de guérison et que c'était bon pour mes os. C'est tout. Chez les femmes en particulier, l'oral turinabol provoque un dérèglement hormonal pouvant entraîner une virilisation, c'est-à-dire l'apparition de caractéristiques masculines comme la barbe, une voix grave, mais aussi des troubles du cycle menstruel qui peuvent aller jusqu'à la stérilité. Je travaille ici depuis 20 ans. En ex-Allemagne de l'Est, c'était le laboratoire central de contrôle du dopage. Il dépendait du service médical du sport. Sa fonction principale était d'effectuer des contrôles sur les sportifs avant qu'ils ne partent à l'étranger. On appelait ça des contrôles de voyage. Ce n'était pas pour vérifier si les athlètes étaient dopés ou non, mais pour s'assurer qu'ils ne dépassaient pas les taux autorisés, afin qu'au moment de la compétition, l'athlète soit juste en dessous. Le laboratoire était donc un instrument du dopage. On savait que l'oral turinabol utilisé en Allemagne de l'Est était décelable pendant les 10 à 12 jours qui suivaient la prise. Après ce délai, l'effet diminuait. On essayait donc de trouver d'autres médicaments qui servaient toujours, bien sûr, à améliorer les performances, mais également qu'on puisse administrer jusqu'au dernier moment, juste avant la compétition. Ce n'était pas un secret. Tout le monde disait le centre de dopage en parlant du laboratoire. Son existence était évidente. Bien entendu, concrètement, on ne savait rien de ses pratiques. En RDA, les médias n'en parlaient pas du tout, c'est évident. On était ici tout simplement pour se remettre en forme et pour préparer la prochaine saison. Certes, l'environnement était un peu particulier. On dépendait des médecins qui nous prescrivaient certains exercices pour le dos ou des traitements spécifiques. Mais on ne savait absolument rien sur le dopage, ni sur la perfidie de ce système, non. Dessiner faisait partie de mes loisirs. Sortir, aller en boîte, ce n'était pas mon truc. Ce n'était pas mon genre. Personne ne veut danser avec un garçon manqué. Je ressemblais plus à un garçon qu'à une fille. Une seule mauvaise expérience m'a suffi pour éviter les endroits où je risquais d'être humilié. J'ai arrêté d'aller à la piscine. J'ai arrêté d'aller danser. Je ne me voyais pas aller faire du shopping. Pour acheter quoi? Des vêtements de filles? Des jupes? Se faire systématiquement traiter de PD dans la rue ou de vieille tante, c'est insupportable à la longue.
À cette époque, je n'étais pas encore assez forte pour pouvoir le supporter. Je me suis donc dit, essaye de faire quelque chose qui te fasse plaisir à toi et aux autres. Dessine. Si aujourd'hui j'étais encore Heidi Krieger, je ne vivrais plus. Je ne l'aurais pas supporté. Un jour, mon chien m'a sauvé. Plusieurs fois, j'ai voulu mettre fin à mes jours, parce que je n'en pouvais plus. Personne ne m'aimait. Vu mon apparence, personne ne m'acceptait. Mais mon chien m'a poussé avec sa truffe pour me dire « Hey, je dois sortir !» Et là, j'ai réalisé que j'étais en train de commettre un acte complètement dément, schizophrène. Oui, j'en étais arrivé là. German Democratic Republic. République démocratique allemande. Heidi Krieger. Im ersten Durchgang gestern 21,10 Meter persönliche Bestleistung. Also, wir hatten damals. Il y avait des championnes et des record women du monde. Des championnes olympiques. Je les ai toutes battues. J'ai gagné avec 21 mètres 10. Mais ma plus grande joie, je l'ai ressentie à mon retour, lorsque ma mère m'a accueilli à l'aéroport. Elle m'a dit, ah, mon enfant, les larmes aux yeux. Elle m'a embrassé. Il y avait des reporters, tout le monde filmait. Mon frère aîné était là, un peu à l'écart. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis à pleurer. Après l'accueil officiel, je suis rentré à la maison. Tous les voisins m'attendaient, un bouquet à la main. Et là, je me suis dit, maintenant, tu es un héros. Le sport en RDA avait une fonction politique, démontrer la supériorité du camp socialiste sur le camp capitaliste. Par rapport aux pays de l'Ouest, il y avait peu de domaines où l'Allemagne de l'Est pouvait afficher sa supériorité. Le sport était le domaine où l'on pensait pouvoir manifester cette supériorité. Und da bleiben die Uhren stehen bei 3 und da ist der Weltrekord von 80 ausgelöst. Si on observe bien le système depuis le début des années 70, on voit qu'il existait un responsable du dopage en Allemagne de l'Est. C'était le président de l'Association allemande de gymnastique et des sports, Manfred Ewald. Il était parallèlement président du Comité national olympique. Il assumait toute la responsabilité politique. Politique signifiait à l'époque le Politburo du Parti socialiste qui dirigeait l'État. Le système n'ignorait rien du dopage. Erich Honecker, par exemple, était officiellement informé de son fonctionnement.
Ewald dirigeait les administrations gouvernementales sportives. Il y avait un ministère des Sports qui finançait et contrôlait le dopage. Il y avait aussi une section de recherche scientifique chargée de mettre au point les meilleurs produits avec les moyens de l'État. Le vice-directeur de la médecine du sport, Manfred Höppner, était responsable au niveau médical de la recherche sur le dopage, ainsi que de sa mise en œuvre, qu'il supervisait en tant que médecin. Le représentant régional de la médecine du sport, fonction que j'occupais pour le sport civil professionnel à Berlin, était obligé d'informer les services du docteur Höppner quand il y avait des erreurs ou des problèmes, comme par exemple, mais cela arrivait rarement, lorsque les parents exigeaient des renseignements médicaux sur leurs enfants. Dans ce cas, on était tenu de consulter les services centraux pour savoir comment on devait réagir. Selbstverständlich haben wir da wie in allen anderen Ländern alle bekannten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse eingesetzt. Tout cela était extrêmement secret. Toute correspondance était considérée deuxième niveau de secret d'État. C'était classé affaires confidentielles. C'est-à-dire que si quelqu'un perdait ses informations ou les montrait à des tiers, par exemple à sa femme ou à son mari, il risquait entre 2 et 6 ans de prison. On a choisi ce deuxième niveau de secret pour empêcher les fuites. C'était aussi confidentiel que les renseignements concernant les expériences nucléaires ou les objectifs d'attaque à l'Ouest par la RDA. Cela démontre toute l'importance du dopage en tant que stratégie. Je me permets de vous rappeler à quel point le système était absurde et corrompu. Il est probablement encore aujourd'hui. Le dit Dr Höppner, membre du comité antidopage olympique ainsi que de la Fédération internationale d'athlétisme, a fièrement rapporté par écrit que lorsque c'était nécessaire, il ouvrait les échantillons d'urine en sa fonction de contrôleur de dopage et vidait leur contenu pour y mettre sa propre urine ou celle d'un entraîneur. Il échangeait l'urine et recelait ensuite l'échantillon. C'est ainsi que cela se passait. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat idéologique entre capitalisme et communisme. Maintenant, c'est l'argent. Et personne ne peut prétendre que l'argent ne génère pas des corruptions similaires. On ne disait pas comme aujourd'hui, maintenant tu es professionnel, un jour tu seras millionnaire. Ça ne se passait pas comme ça chez nous. On ne devenait jamais millionnaire. Mais on pouvait aller à l'étranger. Quand on était cadre sportif, on pouvait voyager à l'Ouest, à l'étranger capitaliste, le KA. C'était une grande motivation pour moi. Quand on m'a dit la première fois, tu pars avec Tobias au Japon, je n'ai pas dormi pendant une semaine. C'était une compensation. C'était vraiment de la compensation. Avec mon partenaire, j'ai été deux fois championne de RDA, une fois quatrième et une autre fois troisième des championnats d'Europe. Je sais que ma mère aurait aimé faire du patinage artistique quand elle était petite. Je crois qu'elle pensait me faire plaisir, mais en fait, j'ai dansé son propre rêve sur la glace.
Ce sont les dossiers de la Stasi qu'on peut consulter. Il y a un IM, un collaborateur non officiel qui m'a surveillé et qui a transmis certaines informations. C'est très court. D'après la source, la Canitz s'est très bien comportée lors de son séjour au Canada. Au cours d'une discussion avec le patineur Kreft Manu, c'était l'un de mes collègues, la Canitz aurait déclaré que Peggy Schwartz devait aussi faire attention. Je ne comprends pas. Elle a fait allusion au grand magasin de Regina, c'était au Canada, j'y étais pour une compétition. Elle a dit que la Schwartz aussi avait pris des glaces sans les payer. On a donc volé. Je ne m'en souviens plus, mais bon. Je ne comprends pas. La question est de savoir qui était la source, n'est-ce pas ? Nous étions le seul couple de RDA présent. Quand une personne était professionnelle et importante pour l'État, la Stasi contactait sa famille pour que tout le monde espionne tout le monde, pour éviter tout risque de dérapage. Mais ma mère a refusé. Je lui en suis vraiment reconnaissante. Strictement confidentiel. Renseignement du service patati patata concernant l'opération de recherche. Et il y a le nom de mon beau-père. Est-ce qu'il le recherche lui ou est-ce lui qui recherche ? Tiens, une estimation de ma personnalité. Qui a signé ça ? Major de la VP, la police du peuple, mon entraîneur. La Stasi, c'était vraiment une bande de sinistres individus. Origine sociale, la candidate vient du milieu de l'intelligence. On n'entend presque plus parler de la Stasi, ce n'est plus assez intéressant pour les médias. Ils n'en parlent donc plus. Je crois que les Allemands ont un vrai problème avec l'acceptation de leur histoire. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas réussi à assumer le Troisième Reich. C'est la même chose avec la RDA. Ils embellissent les souvenirs avec des émissions nostalgiques où tout va bien, et nous, les gens de l'Est, on est contents d'avoir encore notre Trinkfix, notre chocolat chaud de l'époque. Écoute, quelque chose ne tourne pas rond dans ce pays. Et ça, ça me hante en permanence. En 1978, au championnat de RDA, je suis arrivée 5e aux 100 mètres d'eau et 4e aux 200 mètres d'eau. Grâce au temps que j'ai réalisé sur ces deux distances, je me suis retrouvée parmi les 10 premières nageuses mondiales de 1978. J'avais 16, 17 ans. C'est l'adolescence, on remet son enfance en question. Je me suis demandé à quoi ça servait de m'entraîner jour après jour pour gagner quelques dixièmes de seconde chaque année. J'imaginais que si un extraterrestre atterrissait près de la piscine et nous observait, il se demanderait « qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ces allers-retours dans l'eau ? Mais pourquoi tous ces allers-retours dans l'eau ? À quoi ça sert ?» Et là, quelque chose en moi s'est écroulé. Je n'y voyais plus aucun sens. Au moment où j'ai arrêté, j'ai eu un rapport très étrange à l'eau. D'un côté, j'avais la nausée lorsque je voyais de l'eau.
quand je me brossais les dents, etc. Et d'un autre côté, j'avais envie de sauter dans l'eau, de retrouver cette sensation de glisse. 6 ans après avoir arrêté le sport, je suis devenue infirmière. En tant qu'infirmière, j'ai eu accès aux emballages originaux, aux notices, mais également au registre des médicaments dans lesquels étaient expliqués les effets thérapeutiques, les effets secondaires et certains troubles du métabolisme. Et je dois dire que ça m'a posé un gros problème quand j'ai découvert cette orale turinabol. Chez certains, il y a eu des ruptures. Parfois une dizaine, une quinzaine d'années de leur vie s'effacer. Que leur restait-il d'authentique de cette époque? Le sportif doit alors essayer de comprendre ce qui est honnête, quelle performance était honnête, quelle victoire était honnête. J'ai décidé de rendre ma médaille. Lors de ma victoire, les conditions étaient faussées. Elle n'avait plus aucune valeur à mes yeux. Aujourd'hui, cette médaille est décernée chaque année à des personnes qui s'engagent pour un sport sans dopage. En 1984, j'ai fait un séjour de 3 mois dans une clinique psychiatrique. J'ai ensuite suivi une psychothérapie dans une autre clinique. Pendant ces 6 mois, j'ai dû réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Il y a maintenant plus de 20 ans que je travaille dans une maison de retraite. Ça s'est fait un peu par hasard. Au début, je me disais, tu ne tiendras pas le coup. Mais 3 ou 4 semaines plus tard, je me suis aperçue que c'est vraiment l'un des plus beaux métiers. Pour moi, en tout cas. Madame Guente, c'est mon mari, vous le connaissez? Non. Non? Quand je l'ai vu, je lui ai demandé s'il était ton mari, et il a dit oui. Oui. On s'est rencontrés en 2000, lors du procès contre Manfred Ewald et Manfred Höppner. On était toutes les deux parties civiles. C'est là qu'on s'est connus. À la première audience, Uta est arrivée un peu en retard. Je me suis dit, waouh, quelle femme! Tu dois absolument faire sa connaissance. Et voilà, ça s'est fait. Après mon opération, j'avais un rêve. Je voulais me marier. Une fois dans ma vie, dire oui à une femme. Et ce qui est magnifique, c'est qu'un jour, alors qu'on n'habitait pas encore ensemble, Ute m'a appelé. À l'époque, on se téléphonait beaucoup et longtemps. Et elle m'a dit, si tu continues comme ça, je vais finir par te demander en mariage. J'ai eu les jambes en coton. Je me suis dit, mais je rêve? Ça m'arrive réellement, à moi? Je crois que l'on a réduit le problème en le divisant par deux. On a le même passé. Chacun à sa manière, bien sûr, mais c'est quand même le même passé. Tout est plus simple, on n'a pas besoin de tout expliquer. On n'est pas obligé de se faire comprendre par quelqu'un qui n'a pas vécu ça. Nous nous battons pour que les victimes du dopage en RDA soient reconnues. Il y a quelques années, le docteur Spitzer avait fait une estimation. Elle s'est avérée juste. Sur les 10 000 sportifs ayant reçu des produits dopants, 1 000 personnes ne s'en seraient pas sorties indemnes. Au cours de ces dernières 12 années, pour moi et mon fils qui a hérité de ces effets secondaires, j'ai dû dépenser environ 20 000 euros pour couvrir les frais médicaux que l'assurance maladie ne prend pas en charge, mais qu'on est obligé de payer tout de même.
La loi sur l'aide aux victimes du dopage est un premier pas. Pour la première fois, l'État reconnaît l'existence du dopage. Que ce ne sont pas juste 5 ou 6 folles qui ont été dopées à leur insu. L'État reconnaît que la distribution de produits dopants a été généralisée. Nous revendiquons des pensions suffisamment élevées pour couvrir ces frais supplémentaires. Ils devraient être pris en charge par la société et non par nos familles. Ça, c'est impossible. C'est en 1991 que j'ai appris grâce à ma mère qu'on m'avait administré des produits dopants. Elle m'avait acheté le livre du professeur Franke et Brigitte Berendonck, Dopage, qui venait d'être publié. Je crois qu'il y avait aussi un sous-titre, mais je l'ai oublié. Mon nom figurait dans ce livre. À l'époque, j'ai repoussé l'idée très très loin de moi et je me suis dit, ça ne me concerne pas, je ne peux pas être concerné. En 1990, en traversant l'ancienne RDA avec mes collègues scientifiques, je me suis rendu compte de l'existence de quelques thèses confidentielles oubliées en certains endroits. Au cours d'une aventure très palpitante, un peu à la James Bond, j'ai finalement réussi, avec ma femme, à les mettre en sécurité. Nous les avons aussitôt fait publier, en partie à l'étranger, pour plus de sécurité. Ça a été la base du livre de ma femme. Je suis contre le dopage et je me suis toujours engagé contre. Ce qu'on a pu vous dire d'autre est faux. Il y a même eu une émission de télévision à Potsdam où ma femme mettait face à Manfred Ewald, qui niait une fois de plus. Mon épouse a dit avec une inspiration prophétique « Vous êtes un menteur ». Et vous, vous êtes une menteuse. Bien, vous irez au tribunal. À ce moment-là, il ne s'imaginait sûrement pas qu'il serait l'accusé et que ma femme serait la représentante des témoins. Mais ça s'est passé comme ça. Non, ils ont tout nié et démenti jusqu'à la fin. Il m'a appris à l'époque que les hormones qu'on m'a administrées ont beaucoup influencé le cours de ma vie. L'oral turinabol a accentué le processus qui a fait de moi Andreas Krieger, l'homme que je suis aujourd'hui. On m'a privé de la possibilité de décider par moi-même de mon développement biologique. Je suis transsexuel, et ces hormones ont fait basculer mon identité vers le masculin. Je ne contrôlais plus rien. Dès 1991, j'ai porté plainte en mon nom auprès du tribunal de Berlin. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'actes criminels à l'encontre de jeunes femmes et de jeunes filles. À l'époque, tout le monde, y compris des avocats, me disait « Mais non, ce n'était pas comme ça, on n'y peut rien. » Néanmoins, 7 ans plus tard, on a examiné les premières plaintes. Ce n'était pourtant pas dans l'intérêt national de rendre ces faits publics. On a uniquement porté plainte dans les domaines de la natation, de l'athlétisme, très peu dans l'aviron. En haltérophilie, où le dopage était le plus développé, il n'y a eu qu'une seule amende de 20 000 Deutschmark à verser par le médecin. Pourtant, il y a certains athlètes qui sont gravement touchés, j'en connais quelques-uns. Mais on a décidé d'être moins regardant, puisque, de toute façon, dans l'haltérophilie, beaucoup ingurgitent tout et n'importe quoi. Je suis l'un des premiers à avoir été condamné. Nous étions extrêmement inquiets parce que nous ne savions pas de quelle façon nous serions jugés. Malgré tout, pour ma part, et en ce qui concerne ma collègue, le docteur Rössler, qui était responsable des nageurs et qui était accusé avec moi,
Nous avions décidé de ne pas nous murer dans le silence, mais de tout mettre sur la table. Dans le passé, les médecins ont toujours évité les questions en niant l'existence du problème du dopage. À partir du moment où les preuves ont émergé, ils ont commencé à tout relativiser. Aujourd'hui, ils le reconnaissent peu à peu. Mais les gens concernés, ceux qui ont participé à l'administration de ces produits, restent toujours très discrets sur le sujet. Les raisons sont très variables. Il y a certainement un sentiment de culpabilité. Beaucoup s'inquiétaient aussi pour leur carrière. Nous ignorions également si toute cette affaire n'aboutirait pas à notre radiation de l'ordre des médecins. Also hier geht es nicht um einen fairen Prozess, hier geht es um die Revanche dafür, dass die DDR im Sport besser war als die alte Bundesrepublik. Manfred Ewald, l'ancien président du sport en RDA, a eu la plus lourde peine, 22 mois de prison, évidemment avec sursis parce qu'il était vieux. Le docteur Hoepner, le médecin responsable de la mise en œuvre du dopage, a été condamné à 18 mois de prison, etc. En gros, les peines ont été relativement clémentes. On pourrait dire, enfin bon, c'est pas très sévère. Mais il faut reconnaître que la République fédérale allemande est aujourd'hui le seul pays au monde où l'administration d'hormones masculines à des jeunes femmes et des jeunes filles constitue un crime passible des assises. Je me sentais parfois comme la victime d'un viol qui doit prouver qu'elle n'a pas fait de provocation, qu'elle n'est pas responsable et qu'elle était vraiment innocente au moment des faits. Face à ça, j'ai dit aux gens, je suis désolé. Mais nous étions réellement aussi naïfs. Si vous ne comprenez pas le système dans lequel nous avons vécu, dans lequel nous avons grandi, je n'y peux rien. C'était comme ça. À 16 ans, je n'étais pas encore assez mûr pour me méfier. Personne n'avait jamais cherché à me faire du mal. Je pense que ceux qui se sont constitués partie civile, ceux qui ont eu le courage de se présenter en public, sont toujours considérés par certains comme des traîtres. On a remis en cause quelque chose de tellement noble et de tellement beau. Et ça, c'est inacceptable pour beaucoup de gens. Il y en a aussi qui prétendent que nous mentons. N'oubliez pas que la RDA existe toujours. Elle existe tous les jours. Et beaucoup de gens dans les saints nouveaux Länder, comme on dit, ne supportent pas que l'on s'attaque à leur plus grande fierté, le sport. On se demande à quoi ça a servi tout ça, pourquoi tout ce déploiement ? Dans quel but tu as participé à ce système en tant que médecin? On peut dire aujourd'hui que la RDA n'existe plus, oui. Qu'on a vécu toutes ces années en pure perte. On pense souvent à ça. Aujourd'hui, quand on regarde des émissions sportives, c'est par pur intérêt pour le sport. Et juste en regardant, même sans le son, sans les performances, simplement en voyant certains sportifs, on se regarde et on se dit « Oh oh !» C'est clair. Il y a des caractéristiques extérieures, certains comportements, des modifications physiques. Mais on regarde quand même, je ne sais pas pourquoi on regarde. Mais d'une certaine façon, ça nous intéresse. Aujourd'hui, quand on croise des collègues qui occupaient des postes importants dans le sport de haut niveau à l'époque, on n'aborde pas ce sujet, on le refoule.
On n'a pas envie d'en parler. On se connaît, on sait exactement à quoi l'autre a été mêlé à l'époque, mais on n'en parle pas. Le sujet reste complètement tabou. Nous avons en Allemagne une culture du silence dans l'intérêt national. Les exploits sportifs occupent une place extrêmement importante dans ce pays, également au niveau politique. Certains coupables ont été protégés puisque beaucoup sont restés entraîneurs. Ils se baladent dans les stades avec le survêtement allemand, comme récemment à Paris, par exemple, où je les ai vus à la télévision. À mon avis, cette image du sportif sain, idéal, est complètement déformée. Ce qu'on fait miroiter aux gens n'est qu'un tissu de mensonges. Je ne comprends absolument pas que des athlètes qui ont eu recours au dopage soient célébrés à nouveau comme des héros, un ou deux ans plus tard. Il n'y a rien de plus malsain.